à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons déballer le BlackBerry Passport. Donc le BlackBerry Passport qui tire son nom du passeport car il reprend exactement le même format. Il s'agit d'un très beau téléphone équipé donc d'une caméra 13 mégapixels à l'arrière. On découvre ensuite donc une petite documentation BlackBerry au format du passeport aussi. BlackBerry Passport. Donc une petite notice pour démarrer rapidement avec le passeport, mais qui raconte également donc l'histoire du design, comment est-ce qu'on insère donc la SIM, la nano SIM et la carte SD, mais également quelques informations sur la conception. Dans la boîte, on a ensuite donc un adaptateur secteur. Pour la France. Donc un adaptateur secteur USB. On trouve également les écouteurs BlackBerry, les écouteurs qui ressemblent aux écouteurs qu'on a sur BlackBerry Z30 et BlackBerry Q10, mais ils sont un petit peu différents. Donc en effet, ils sont équipés de boutons volume plus et volume moins, en plus du bouton play pause qui déclenche également l'assistant vocal. On retrouve aussi donc le câble micro USB USB qui se connecte sur l'adaptateur secteur pour connecter le téléphone à l'ordinateur. Enfin donc une dernière boîte dans laquelle on trouve de la documentation, on dirait. Donc oui, il s'agit de documentation BlackBerry, pour tout ce qui concerne les garanties et également une petite documentation sur le processeur Snapdragon qui équipe ce téléphone. Voilà pour ce qui est donc du déballage du BlackBerry Passport. Il n'y a plus rien dans la boîte. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à bientôt.